L'inflation profite aux sandwichs. Oui, c'est une réalité. Avec la hausse des prix alimentaires, de nombreux Français se détournent du restaurant à midi. Et c'est ce qu'on appelle le snacking, qui sort gagnant. Snacking en bon français, les sandwichs, boulangeries, la restauration rapide aussi. Plus de 23 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier et de plus en plus de points de vente. Nous avons voulu sonder quelques Parisiens à midi, à l'heure du déjeuner bien sûr. Est-ce qu'ils se sont détournés du resto? Ça c'est pour la question économique et sociale. Louis Amar et Anaïs Recouli leur ont aussi demandé s'ils avaient quelques recettes. C'est quoi un bon sandwich? Est-ce que depuis que les prix ont beaucoup augmenté, vous allez moins au restaurant? Là, on réfléchit un peu avant d'y aller, ouais, carrément. Quand c'est des occasions, quoi. Sinon, ouais, un peu moins. J'y vais plus en semaine quand je bosse, mais plutôt le week-end avec mes proches. J'y vais, mais c'est sûr que on les multiplie moins. Parce que pour le même produit, typiquement, la pizzeria où j'allais avant, c'est 1,50€ de plus la pizza. Vous qui en mangez souvent, c'est quoi la clé d'un bon sandwich? Bah, le pain. Je pense que c'est le plus important, qu'il soit bien cuit, bien croustillant. Faut pas qu'il soit sec. Et qu'il soit quand même bien garni. Faut nourrir. Ouais, c'est ça, faut nourrir. Des vrais produits pour un vrai sandwich. Donc du vrai poulet, du vrai jambon, du vrai beurre et du pain qui date pas d'hier. Voilà, le jambon beurre, le jambon fromage, le crédité poulet, vous reconnaissez ce monsieur? Lord Sandwich, ça sonne bien franchouillard, c'est vrai, le jambon beurre, mais c'est Lord Sandwich, un diplomate britannique du XVIIIe siècle à qui on attribue l'invention du sandwich. Mais figurez-vous qu'en fouillant dans les archives, on a découvert un Français qui avait voulu lui aussi réinventer le sandwich baguette. Ouais. Christian Lafargue s'est penché sur un grave problème qui nous concerne tous, le sandwich. Il a inventé le principe d'une barquette que l'on achètera toute prête, toute variété possible, sanglier, pistache ou jambon beurre, sans coulure ni salissure, sans plan de travail nécessaire, en sécurité, sans couteau, qui conserve le croustillant du pain. On déchire l'enveloppe hygiénique, on glisse la barquette dans le pain. On retire la languette de la barquette. On enlève la barquette. C'est prêt. Et rien que pour la caméra, on prend un couteau pour vérifier que ça marche bien. De ces barquettes, rien qu'en France, il s'en vendra des centaines de millions par an. Rien hein qui tombe. Ah, il y a des barres en plateau. Ah oui, hein. Babette, pas du tout. Ah non, moi je suis. Moi non plus. Hein. Moi, je suis Tim Bernard. Hein. Non, merci. C'est super. Mais on en vendra des millions, disait-il. Tu peux être sûr que tu vas manger du plastique. Mais que non. Ça va mal s'enlever, là, le truc, là. Clac. Ah, oh, bah, c'est sûr. Je vais bien essayer si quelqu'un veut le réinventer. Bon, moi, j'aime bien le concept. Faut qu'on relance cette barquette. On testera ici. Quoique, je regarde un petit faible aussi pour cette émission de 1966 sur l'ORTF. Le sandwich est beaucoup plus classique. Combien d'ingrédients vous pouvez mettre dans un sandwich, vous? Juste comme ça, autour de la table. 28. 12. On a 28 à droite. Peut-être que Pierre a déjà vu cet archive. Entre 3-4. Oui. Alors, ici, voyez-vous, vous mettez également une tranche. Et puis ensuite, vous mettez les œufs, par exemple, l'œuf, comme ça. Mais est-ce qu'il y a un ordre à respecter? Ah non, il n'y en a pas. C'est seulement pour faire joli. Non, non. Alors, vous pouvez aussi avoir des restes de beefsteak, comme ceci. Alors, si vous avez des petits beefsteaks qui restent, vous le coupez en tranches très, très fines. Sur du, qu'est-ce que vous avez mis en dessous? Du poulet? Du poulet, oui. Du poulet, des tranches de beefsteak. Oui, voilà. Alors, voyez-vous, vous mettez les tranches comme ça, de tomates. Oui. C'est encore des sandwichs qu'on ne peut pas tenir dans la main, ça. Il n'est pas question de les tenir dans la main, il est question de les tenir dans la bouche. Vous pouvez ajouter du jambon blanc, et puis vous allez ajouter, bien entendu, la salade. Ah, ça, c'est pour faire des économies. Eh bien, Catherine, je vais vous donner un de ces sandwichs que vous allez essayer de manger. Oh, bon appétit, hein. Alors, votre bonne. Il arrive à engloutir le sandwich. Et vous avez reconnu. Et Catherine Langeais, l'émission de cuisine la plus longue de la télé française. Alors, si les fast-food, boulangeries, sandwicheries tirent leur épingle du jeu dans ce contexte d'inflation, vous imaginez bien que les restaurateurs font grise mine. Mais parlons quand même du vrai gagnant, le vrai nouveau concurrent, c'est le fait maison. Un salarié sur deux affirme emmener son déjeuner au bureau au moins une fois par semaine. Il n'était que 31% en 2021. À tous les décisions. Je vous ai vu sourire, je me suis demandé si vous emmeniez votre gamelle au Parlement européen, mais... Non, mais écoutez, par exemple, aux États-Unis, les parents donnent un lunchbox à leurs enfants pour aller à l'école. Et c'est ça, c'est ouais. Exactement ça. Moi, j'arrive avec un lunchbox au bureau. À tous les déçus de l'euro million, un jeune entrepreneur conseille d'y aller groupé. Ouais, tout seul, on va plus vite. Ensemble, on est plus riche. Hein, ça pourrait être le slogan de Brice Cassou, créateur d'une plateforme en ligne qui vous propose d'augmenter vos chances en jouant en groupe. On achète des tickets de loterie à plusieurs. Valentin Thibier l'a contacté et lui a demandé comment lui est venue l'idée. C'est tout simplement, en fait, en jouant avec des amis dans un bar tabac, on se rejoignait, on mettait chacun 10 ou 20 euros sur la table. On avait acheté un petit paquet de jeux à gratter où on jouait justement à l'euro million et on se répartissait les gains. Et que, si on parle de millions d'euros, automatiquement,
des fois, les relations peuvent un petit peu se tendre entre amis. Et donc, il n'y avait pas de cadre juridique derrière tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'avec Club Anouin, on a créé ce cadre juridique. Alors, ça se fait beaucoup ailleurs, en Europe, particulièrement au Portugal, en Espagne, que de jouer à plusieurs, des collègues, des voisins, une grande famille. Récemment, on avait parlé de ces Belges qui avaient décroché la cagnotte de 143 millions d'euros, tous du même village. Ils avaient misé 15 euros à l'initiative du buraliste, 15 euros fois 165 joueurs. Les joueurs et même les autres habitants m'ont dit qu'ils trouvaient ça bien, que ça a été remporté par plusieurs personnes. Un gagnant en gagne beaucoup d'argent, mais là, c'est tout un groupe, 165 personnes qui sont très heureuses. Oui, c'est le gros lot. J'ai 3 enfants et 8 petits-enfants. Ça va vite être réparti. J'ai déjà réservé pour aller à New York. Mon rêve, ça a toujours été de passer quelques mois en Amérique, de voir le Grand Canyon, et puis faire de l'escalade. J'ai guéri d'un cancer, vous savez, et maintenant, je peux profiter de la vie. Et je reviens à notre Français, Brice, et à sa plateforme qui s'appelle Club & Win. Lui propose en fait des abonnements, et c'est là-dessus qu'il prend une marge. Je me suis demandé quand même comment lui gagner de l'argent avec son site. Pour 30 euros par mois, vous avez 500 grilles, pour 50 euros, 8 à 900 grilles, etc. Vous tentez le gros lot, pour moins cher, en fait, ça vous revient à 6 centimes la grille contre 2,50 euros. J'arrête de vous abreuver de chiffres. À part ainsi, ce soir, il y a 100 millions d'euros à gagner. Écoutez la démonstration de l'entrepreneur. Pour le jackpot de ce soir, qui est de minimum 100 millions, d'euros. Donc si une de nos communautés remporte ce jackpot, on va faire 150 joueurs qui vont toucher 666 000 euros chacun. Donc ce qui veut dire qu'il y a un réel esprit communautaire là-dedans et on peut littéralement changer la vie de 150 joueurs d'un seul coup. Alors on est d'accord, c'est une initiative amusante, ça permet de mutualiser, d'augmenter ses chances pour moins cher, ok, mais on ne sera jamais aussi chanceux que cet Australien. Écoutez bien, il survit à un accident de la route, à une maladie du cœur. Il est déclaré cliniquement mort pendant 14 minutes. Après un coma, il revient à la vie et heureux de vivre, après avoir demandé sa femme en mariage, il s'est dit « je vais acheter un ticket à gratter », il gagne une voiture. Vénard, jusqu'à ce que la télé locale lui demande de rejouer la scène du grattage pour la caméra, et il gagne encore. Non. I just won 250,000. I'm not joking. You're not, are you? I won 250,000, honey. I have. We got that new house. 100% des gagnants ont tenté leur chance, hein, qui disent bon, il y a quand même un petit truc en plus. Ah, c'est génial, Phil Morgan. Alors là, on en arrive à la news la plus étonnante. Est-ce qu'on peut recycler les poils de nos animaux de compagnie? Ben oui, la réponse est oui. Il faut avoir un chat ou un chien d'abord. Hein, et puis quand on a un chat ou un chien, on mesure le nombre de poils qui sont balayés. Le meilleur ami de l'homme est très sympa, joueur, mais il faut bien reconnaître que ça laisse des petits moutons de poils. Lassé de ramasser, de balayer et surtout de jeter, deux entrepreneurs ont eu une idée, circuit court. Ces poils, on va les réutiliser. Cette idée, elle est venue de cette petite bestiole qui est là, qui est très petite, mais qui perd beaucoup, beaucoup, beaucoup de poils. Et à force de le brosser, de ramasser des moutons énormes de poils partout, je me suis demandé ce que je pouvais en faire. J'ai voulu être utile, récupérer ces poils et en faire quelque chose. Et donc le poil rentre un peu plein de bactéries, plein d'odeurs et tout, et il ressort nickel et il sent bon. Il ressort sans odeur, effectivement, et ça permet de pouvoir l'envoyer en usine sans que les personnes en usine soient... exposées à des risques d'allergies, voilà, de bactéries ou des risques fongiques. Après l'ozonage, qu'on obtient du coup une fibre saine et exploitable sans aucun risque. Tout ça rien qu'avec les poils de Harry. Ils sont lavés, ils sont ozonés. D'accord, comme, c'est un chihuahua, Harry. Tout va bien. C'est le petit chihuahua que vous avez vu. Alors tout ça, c'est rien qu'avec ses poils. L'entreprise s'appelle Brosseur. Ah non. Ils sont en région parisienne. Ils ont tout présenté à Louis Amar et Anaïs Roucouli. C'est un sous-traitant en fait qui transforme ses poils en rouleaux de feutre pour eux, pour faire ensuite des petits sapins, comme ça, que vous pouvez accrocher dans la voiture. Mais qu'est-ce qu'on fait ça? C'est bizarre. Et c'est là que c'est... Pour l'odeur, pardon, vous le parfumez. Ah oui, d'accord. C'est là que Brosseur développe ses petits sapins pour parfumer. On a créé des petits sapins désodorisants. Donc c'est une partie, c'est des matériaux issus du recyclage, donc une partie cartonnée recyclée, et du feutre, donc le brossant qu'on fabrique, qui a des capacités d'absorption qui sont fantastiques. Donc ça restitue aussi super bien les odeurs. En diffuseur de parfum dans une voiture ou dans un placard, diffuseur d'huiles essentielles pour éloigner les moustiques ou autres, c'est le produit parfait. Ce feutre, il va servir par exemple à fabriquer une semelle de chaussure, à rembourrer une doudoune, à remplir un coussin. Il y a un tas d'applications possibles. Il y a en fait aucune limite à l'imagination qu'on peut avoir de la transformation de ce produit. Et ça, c'est 100% poil. Ça, c'est 100% poils de chien, de chat et surtout d'animaux heureux et bien traités.
Voilà, 100% poils de chien, de chat, d'amoureux, d'animaux heureux. 6 à 7 000 tonnes par an chez les toiletteurs à récupérer pour cette petite entreprise.